a son bain beau film, oui. Son bain beau film, oui. Et on a le profit. Je vais ça profiter pour que les gars vie privée me mettre là. Moi, je dis, monsieur, rangez ça pour moi. Quand il y a monsieur, dit moi comme ça. Côté femme, moi. Ouais. Ok. Mes amis. Bonjour tout le monde, nous saluons tous les médias qui font effort pour être capable de participer avec nous dans la conférence. Donc, la conférence aujourd'hui, c'est ensemble organisations qui et personnalités bien sûr qui initient marche ça qui a fait sous slogan N'ap marché pour la vie. Donc à présenter aujourd'hui. Tout le monde nous connaît 10 décembre 2020, c'est pour la journée internationale droit monde. C'est pour l'anniversaire déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, texte ça, c'est lui-même qui cadre référentiel et n'a parlé du droit de l'homme. Donc, c'est ça que fait. 10 décembre, c'est journée internationale des droits de l'homme ou encore journée internationale des droits humains parce que déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948. Donc, Haïti fait partie des Nations Unies. Haïti, c'est membre fondateur des Nations Unies. Donc, Haïti fait partie de l'État qui a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, Haïti, c'est un pays qui est au cœur de la cause même des droits de l'homme, de la cause des droits de la personne humaine ou encore de la cause des droits humains. Cependant, je dis à nous une situation qui est révoltante. Droits humains sont systématiquement violés. Donc je dis en Haïti, tu es capable de parler de négation des droits humains. Citoyens, toute catégorie sociale, tout l'âge, tout sexe, toute appartenance religieuse, kidnappés, torturés, violés, voire même vendus. Ils ont tout eu. À titre d'exemple, nous gagnons le bâtonnier Montferrier d'Orval. Donc, il fut bâtonnier en fonction lorsqu'il a assassiné la KL. Nous gagnons Evelyne Sincère. Nous gagnons Grégory Saint-Hilaire, etc., qui sont étudiants. Donc, je dis un pays à gangsterisé. Citoyens dans tout quartier populaire à objet de massacre. Donc, dans le contexte, nous avons organisé une marche citoyenne à l'occasion de la journée internationale des droits humains ou encore des droits de l'homme ou encore des droits de la personne humaine. Maintenant, je vais passer la parole à Maître Robinson Pierre-Louis du barreau de Port-au-Prince qui va présenter nous parcours machla et puis après, le professeur Josué Mérilien va lancer appel à mobilisation hein, et puis nous va partager question yo, puisque j'ai noté dit là, machla c'est pas machla yon secteur, c'est pas machla yon organisation. C'est marche toute société. C'est une marche citoyenne. Donc, il y a un ensemble d'organisations, société civile, droits humains, dans tout secteur, etc., et de personnalités qui mettent ensemble pour organiser marche ça, qui c'est une marche citoyenne, qui pas marche, un secteur, ou encore marche, une organisation. Je salue tout le monde. Je vais seulement continuer sur ça, maître. Gédéon Jean-Tabdi, concernant marche ça, qui a organisé le 10 là. Nous connaissons un contexte particulier, vu que ce jeudi 10 ramène aussi les funérailles de Maître Gérard Gourg. Dans le même temps, tout. Ça veut dire, dans le matin, il y a funérailles de Maître Gourg. Et nous connaissons Maître Gourg représenté pour le barreau de Port-au-Prince aussi. Et donc, c'est un ancien bâtonnier. Il a gagné une crise dans le barreau, c'est lui qui est venu. Et par expertise, il a résolu le problème. Donc, jeudi, par rapport à la situation sociopolitique du pays, je sens que tout le monde, tout le regroupement, toute association, tout que l'on veut ou non, catégorie sociale du pays, est concerné par ce qu'on fait là. Même si il y a des fois où tu as une idée, où tu as dit situation favorable à certaines catégories.
Donc, ça dérange nous, et nous sentons en tant que barreau, nous avons une responsabilité directe pour nous supporter ce qu'a fait là. Pour qui ça? Parce que les tenants travaillent pas nous, les maîtres d'Oval mourir dernièrement, il y a une pile d'organisation, tant qu'à travailler dans les droits humains que la société civile là qui supporte nous. Et ça nous dit qu'il faut nous faire ouvrir la médaille là, il faut nous tourner ainsi qui est Alka Gamel, il faut que Gamel Alka qui est tout. Donc, il faut nous supporter ce qu'a fait là. Donc, c'est peut-être ça, nous baillons, malgré les funérailles, mettre Goug dans le joie, mais nous baillons tout support nous à marche ça. Et c'est peut-être ça, moi présent là, aujourd'hui, délégué par le bâtonnier pour être capable de partager l'idée ça et supporter toutes les organisations qui mettent ensemble pour réaliser le match qu'a fait dimanche. Et jeudi 10 plutôt. Parcours là, c'est qui s'allie, c'est place Constitution. Place Constitution, c'est sous chaud de masse là. La réunie, après un pile monde qui a venu. C'est important pour faire ça. Moi, je continue à encourager les citoyens. Fini participer et frapper pied noir en tête pour nous dire non, ça n'est pas normal. Par rapport à tout ça qu'a fait pour nous actuellement dans le pays, et nous avons des dérives qui ont fait. Nous avons une sorte de velléité qui a fait pour capable imposer nous. Des lois qui ont rapport avec intérêt personnel, pouvoir dictatorial pour empêcher nous parler. Et comme je l'ai dit, Maître Dorval assassiné et bâtonnier en fonction, c'était un signe qui était bas pour dire que vous avez un message clair pour faire tout le monde fermer la bouche pour les citoyens qui doivent parler. Parce que si le bâtonnier, qui est le symbole de la liberté d'expression, le symbole de la justice, ils ont attaqué le conseil. C'est comme si dit, tout citoyen, simple citoyen, fait un bouche, une vague doit parler. Et nous voyons tout ça qui passé avec Grégory, qui mourit dans la cour l'école, etc. Et Edline, par rapport à Zach kidnapping, sans compter l'autre monde que chaque jour il apprend. Mais nous connaissons tout, selon ça qui dit, en pile l'étude qui fait, gen moun, yo fin violé, yo kidnappé, yo violé, yo qui tue tête tout. Peut-être nouvelle ça yo pas engagé dans la presse, mais yo là. Il y a plein de monde qui est victime, bien pour nous tous qui tout parti, ils exilent les têtes, ils disent je vais tourner dans le pays encore par rapport à ça aux victimes. Donc si nous parlons avec pieds nous pour nous dire nous pas d'accord avec Jean de Bagaza, on va continuer victime. Je dis, place de la Constitution, on a regroupé, tout le monde vient en groupe, venir en quantité, mettre masque. Et puis, pendant nous, sur place Constitution, on a continué sur Rue Capois, on a avancé sur Rue Capois et après ça, nous allons le prendre. Rue Christois. L'en monte, je pense que l'en arrive sur Rue Capois, on va monter pour nous prendre la rue, après ça pour nous arriver jusqu'à Christois, dans le carrefour Christois, Martin Luther King, et puis là on a pris une petite pause, on a campé, on a pris un peu de monde, Delma, a pris un peu de l'autre côté, et Christois qui a venu regrouper avec nous, et puis pour nous continuer à marcher. Et on a continué à avancer sur l'avenue John Brown et puis continuer à descendre jusqu'à ce que pour nous arriver dans le niveau Bonacom, nous rassembler encore autant de monde et puis pour nous descendre pour nous aller dans le ministère de la Justice. Donc devant le ministère de la Justice, pas le bon message qu'il va lancer. Parce que si les autorités sont en place, c'est pour travailler à l'amélioration de la vie socio- et culturelle en peuple. Donc on va quand même être un monde qui dirigeait. Cap dirigé, puis c'est eux-mêmes, c'est seulement privilège alors que le peuple souffre. Donc, ce n'est pas normal, et quel que soit nous, nous tout qui l'a sous table là, nous dans plusieurs catégories, dans plusieurs secteurs, mais nous, c'est peuple là, et c'est qu'on s'allie même. Pas dans une seule catégorie, nous, non peuple. Donc, il va faire sens tout. Donc, peut-être ça nous demande tout le monde, quel que soit nous, nous, de pousser haïtiens, de vous gagner conscience que la situation n'est pas normale, la situation n'est pas marché bien pour vous. Vin fait quoi avec nous, vin marcher pour dire non, ça a trop à tort, nous ne pouvons pas supporter l'encore et pour nous crier haut et fort contre ça. Donc en gros, c'est le parcours. Et puis, canapé vert, bon, l'autre branche cap descend, canapé vert, effectivement, cap descend, vin jeune nous pour Morin, bon côté Natcom, après ça, on va ensemble gonfler. Pour nous descendre devant le ministère de la Justice. Et après ça, éventuellement, il va tourner sur la même place que le DND. Éventuellement, ça va dépendre de temps, de l'atmosphère, là, de tout ça. Cependant, on a rappelé tout le monde que c'est une marche pacifique et demander à tous les citoyens de nous joindre ensemble
gonfler vers nous pour nous parler, dénoncer, venir avec pancartou. Ou quand tout fait pancartou là, quand tout écrit ça avec écrit là-dedans, ou venir pour nous brandir devant toute la société civile haïtienne, mais la société internationale, pour nous faire reconnaître la situation dans le pays. Il n'y a pas bon. Et par rapport, que ce soit décret capable d'opter, que ce soit nous, c'est toute bagarre capable d'opter pour intimider les gens. Et donc, sous aucune forme, nous ne pouvons pas prendre la pression ça encore. Et moi-même, je ne suis pas d'accord pour retourner dans la question fort dimanche encore. Je ne suis pas d'accord pour moi, les priorités, nous, pour former, nous n'avons pas de droit ou nous encore. Ce n'est pas normal, surtout avec la question de la création de cette agence, l'Agence nationale d'intelligence, ça, son bagage tête chargée lié. Et moi-même, je demande comme citoyen, là encore, supposé un élément qui est entré dans le cadre de match là, pour nous dire non, nous ne pouvons pas faire ça. La grosse conférence de presse, ça, pour lancer une grosse marche 10 décembre, dans l'occasion. Journée internationale Douamounio. Ensemble, personnalité, ensemble, organisation, dans divers secteurs qui décident de coller les épaules pour nous faire front commun contre un danger qui sous-tête nous tous en général, c'est danger insécurité d'État planifié sous diverses formes et donc kidnapping, c'est une et la donne. Nous faisons front commun ça parce que nous faisons un danger. Nous faisons un danger commun côté la vie pour ne pas côté. Dans l'occasion, journée internationale de droit, le premier droit tout individu gagne, c'est droit pour que vous vivez. Droit à la vie, droit pour manger, droit pour une éducation, droit pour une société la trier. Mais droit à la vie, c'est fondamental. Parce que souvent, la vie, ou pas aucun droit qui a bénéficié, c'est pas le droit à la vie. C'est peut-être ça que je dis, match là, c'est par hasard que l'irrelé match pour la vie. Donc, droit ça, je dis, ça nous fait comme régime criminel assassin, il menace, il marche sous lui. Donc, c'est pour nous dire que droit ça, c'est droit inaliénable. C'est-à-dire que son droit, ne doit pas être aucun monde prendre en main nous, c'est peut-être ça. Jeudi, 10 ans, n'a pas marché. Tout pays. Pour nous dire non à la sécurité planifiée, non à kidnapping, non à nos situations côté nous mettez nous dans nos pays, côté la vie nous par côté. Donc, c'est ça, nous disons tout le général. Marche 10 décembre, ce n'est pas marche organisation de droit du monde, enseignant et personnalité, c'est marche toute population, c'est marche tout élève. Parce que plus élève, ils ont kidnappé. Nous avons cas Evelyne Césaire, ils ont kidnappé, violé, la guerre sous Pipatra. Nous avons des élèves qui ont assassiné Delma, etc. Nous avons des étudiants qui ont assassiné l'école Bal, Pado, etc. Donc, tout étudiant concerné par marche distant, tout parent concerné par lui-même, parce que parents, je dis aujourd'hui, obligés à tant de gens qui font jouer tant de gens. Bon, peut-être qu'ils vont kidnapper, mais ils ne vont kidnapper ni parents, ni élèves là. C'est marche tout le monde en général, citoyens qui comprennent que je dis aujourd'hui, il faut nous vivre dans le pays pour nous être capables de vivre. Et à ce qu'elle saute. Dans ce sens, nous, toute organisation, personnalité, qui, dans divers secteurs, fait un appel pour tout le monde descendre sous béton. Et nous dit, ce n'est pas seulement le 10 pour descendre sous béton. Il faut continuer à mobiliser jusqu'à ce que nous jouions départ, arrestation, tout pétrovoleur, tout kidnapper officiel, parce que ce kidnapper officiel qui fait que le kidnapper a. Et bolosé fait ça ouvrir là parce que yo un yo garanti mais les ont assassiné yo kidnappé yo fait ou fait pas ou man, tout ça gagné fait détruire support économique yo va gagner rien parce que yo protégé par les kidnappeurs officiels. C'est ça nous dit que le 10 là pas gagne chita la caille, il faut un appel spécial à dicter l'école yo dicter école yo dicter lycée dicter collège et recteur universitaire yo pour nous dire que le 10 ans son journée spéciale rendez-vous c'est sous béton lié il va saluer classe sous béton et puis tout le général qui pas d'accord avec le kidnapping là qui souhaitait et qui a bataille pour nous arriver à un pays côté de casse tant que monde côté des dirigeants pas des dirigeants assassins criminels mais c'est des hommes femmes politiques qui gagne qui a aidé nous d'aller atteindre rêve nous comme si citoyen. Donc, nous avons tenu là. Et nous avons fini pour nous dire que, je vous dis, Philippe Mettel Goug a chanté, même jour,
même parce que en plus on a pas rendu hommage à Bette Goug, mais véritable hommage pour qu'on vienne faire rendre là sous béton, parce que Bette Goug a bataille pour respect droit, juste nous notre société connaît droit, on va respecter tout le monde qui a le filer à Bette Goug. Quand on sort de filer là, c'est sous béton pour venir, parce que hommage a continué sous béton. Donc nous reprenons, hommage à Bette Goug là la continuer sous béton dans tout le pays pour lui dire non à la sécurité planifiée, non à kidnapping. Et n'a dit que je vous dis ensemble organisation personnalité qui fait appel ça nous dit que nous cafou dangereux qui exigeait que nous lever camper et c'est ça comme comment te dit marche là la qui plusieurs points nous gagne chaîne masse nous gagne canapé vert nous gagne cafou résistance mon delmayo Pétionville a décidé cafou résistance pour rejoindre nous et en bas lumière rouge la lueur donc c'est marche tout le monde. Donc c'est ça d'Apton, tout le monde en général, sous béton, hein, et jeudi 10 ans. Son action, ça pas fini pour me dire, ça qui passe là, l'indigné, ça qui passe là, l'indigné, il faut agir. Et Bach 10 ans, c'est l'inscrit dans l'action que le citoyen a fait pour dire non à ça. Et n'a pas agi de la solidarité, n'a pas agi dans l'unité, n'a pas agi contre les épaules pour nous arriver à jouer une bout de kidnapping, nan, pour jouer une bout de régime criminel. Si donc, c'est ça. Tout le monde, qui rendez-vous jeudi 10, bon abonné sur Béton. Merci. Pour nous continuer dans la même dynamique, là, dynamique de mobilisation, c'est une occasion. D'ailleurs, Jean, tout le monde qui parle avant me dit, chaque fois qu'il frappe, il y a un secteur ou un secteur dans la rue pour contre. Vous frappez ingénieur pour contre lui, vous frappez avocat pour contre lui, vous frappez étudiant pour contre lui, vous frappez professeur pour contre, vous frappez syndicat transport. Je dis, ce sont l'autre bagaille. La société a gagné longtemps, elle a dit, pourquoi ça, tout secteur, pas mettre ensemble pour nous donner une réponse. Et c'est réponse ça même que la baille le 10. Commencez, réponse à le 10. Tout secteur. D'ailleurs, nous prenons même représenter le transport. Nous prenons comme un chauffeur qui mourit dans le bagaille. Comment ils kidnappent dans magasin dernièrement là, pas de paix. Yo tire yon, yo kidnappe machine à 30 après de 45 moun la donne. Pétionville, chauffeur a monté machine li, l'a travail, moun monte azam, yo dévaliser tout le monde. Pour nous citer ça seulement. Mais ça permet gonbe qui a passé là pour nous profiter dire. Non ouais, président Jovenel équipe a créé un autre VSN. Nous pas marcher tout pour nous dire VSN pas sous moun encore. Les Ukrainiens, vers un homme qui ne connaît pas, qui est jeune, ils ont un droit pour entrer la caille. Pour prendre papier la caille, pour pétitionner la caille, pour prendre l'argent, pour chercher compte en banque. Ils ont fait tout ça. Mais des hommes qui ont dit que c'est terroriste, ou bien c'est camoquin. Je dis à Nice, les gens qui parlent là, ils ont le même droit. Ça veut dire, c'est sauter dans vers un, tomber dans Annie, sauter dans Annie, tourner dans vers un. 58 ans dans vers un, 2020, pas bon ou Annie. Voilà pourquoi nous devons continuer à marcher. Mais sans moyen tout pour nous dire la police doit comprendre la passivité avant de finir. Ils ont kidnappé les citoyens. Ils ont manifesté pour nous dire non. La police veut gaz sur nous. La police tire sur nous. Tandis qu'ils ne parlent pas de kidnapper. Nous disons la police va être visage qu'on dit là. Marche ça, son marche pour non seulement mettre Goug mourir, la panthère joue ça que lui-même en 78. Tu prends responsabilité devant le dictateur pour te dire qu'il n'a pas accepté, il a volé le monde. L'a mouru comme s'il passait flambeau. Baille nous-mêmes qui sommes vivants pour nous dire qu'on continue la bataille pour respect droit de monde. Dans ce sens, comme Kamal Joseph se dit, tout le monde, pas chita la caillou, ou chita la caillou, il y a une tournée la caillou, ou chita la caillou, il y a une kidnappée la caillou. Viens dans la rue pour kidnapper nous tous ensemble. Si vous êtes capable. Pour moi, si vous êtes capable. Yeah. Et faut faire sentir que pas capable si nous pas faire. Si nous pas faire. Après le dictateur, la privée, même pas le garanti. Comme son folie fou, le président Jovenel, le folie fou. On ne peut pas établir dictature dans le pays encore. Jean-Claude Blanc se dit nous ne pouvons pas tourner fort dimanche. Nous ne pouvons pas dire tiboulet encore. Nous ne pouvons pas dire bosse-pète encore. Nous ne pouvons pas guérir encore. Nous ne pouvons pas dire la menti encore. Nous voulons un pays où tout citoyen doit vivre bien. Tout si monde qui a l'école à l'aise. Tout le monde qui a marché à l'aise. Ou qui a le travail à l'aise. Ou qui a dormi dans la caille où l'on voulait. Nous avons sorti n'importe où pour nous acheter manger, Nous voulons pour nous payer dans la main à l'aise. Je veux dire à tout le monde frustré. Tout citoyen. Retirez le col là dans le cou. Retirez le fesse à sous de nous. Mettez-moi nous.
vin marcher pour la vie parce que nous suspendons, faut nous suspendre prendre la mort dans le pays. Merci en pile.